propose un exercice d'anglais pour les cours élémentaires. Alors, on s'installe en seconde parallèle. On va descendre en chute yoga. On s'installe en parallèle de profil. On va prendre le temps de dérouler la colonne sur le sol. Les bras à la seconde. On prend appui sur ses pieds, sur ses épaules pour pouvoir soulever son bassin. On réveille son dos en douceur et on repose, vertèbre après vertèbre. Deuxième fois, on soulève son bassin et on va dérouler. Contraction vers devant, tournons le dos, on ramène les cuisses près du ventre, on relâche la tête et on revient sur le dos, jambes tendues, bras à la seconde. Même chose vers le fond. Les doigts de la main gauche, on va rouler, ça nous étire, on roule à plat ventre vers devant. On prend appui sur ses mains, on va repousser le bassin en arrière, on étire les muscles du dos, on lâche la tête. On va dérouler, on pose nos mains derrière, on soulève le bassin, on va chercher loin avec le regard. Puis on revient par les yeux, on pose nos mains devant, demi-poids, pyramide, on repousse, bassin vers le ciel. Puis talons vers le sol pour étirer les mollets, l'arrière de la cuisse. On va ramener nos jambes tendues, si on peut. Et plier en parallèle. 4 pour 5, 6, 7. Allonge, lâchez bien votre tête. On prend son temps pour plier ses genoux au-dessus des orteils et prendre son temps pour dérouler sa colonne. On va avancer, jambes droites, marche, twist, marche, twist. On revient, sixième, première, parallèle, plié, demi-cercle de la tête, demi, un cercle complet, comme si on dessinait avec le sommet de sa tête, puis le poids de la tête nous emmène dans l'enroulé, vous lâchez vos bras, on tend nos jambes, on plie nos genoux, et on va dérouler là aussi en douceur sa colonne. Passe les bras à la seconde, plier, suspend. Monte sur demi-pointe, grandissez-vous, allongez la colonne. Lâche bras droit, bras gauche, plie, plie, sixième. Marche, touch, on se promène, en rythme. Marche, touch, cinq. Et on se replace en parallèle pour recommencer une deuxième fois.